Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Prélude à la tenue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de cette institution sous-régionale se sont retrouvés hier par vidéoconférence. La rencontre a été présidée par le ministre gabonais des Affaires étrangères. Le ministre tchadien en charge de la diplomatie a pris part à cette réunion, nous informe Varé Ladji. Par visioconférence, la session extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est tenue ce 25 juillet sous l'égide du ministre gabonais des Affaires étrangères, Mubele Bounia. Le ministre tchadien des Affaires étrangères de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, l'ambassadeur Amin Abbasidik, a aussi pris part à la rencontre d'envergure consacrée à la sélection des candidats pour la nouvelle commission. Il est à noter que le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik, et ses pairs se retrouveront également ce 27 juillet pour préparer l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui est prévu le 30 juillet 2020. Depuis quelques jours, une crise du personnel prévaut au sein de l'hôpital provincial de Koumra, dans le Mandoul. Face à cette situation qui risquerait de causer des conséquences drastiques, le secrétaire général de la circonscription a convoqué une réunion avec le personnel de cette structure hospitalière. Récit, Chris Dedjebe. En présence du préfet du Mandoul oriental, du maire de la ville de Koumra, du sous-préfet rural de Koumra, du chef de canton de Koumra, des membres du conseil d'administration de l'association tchadienne des églises Baptiste Mid-Mission à Tebam et du comité de gestion des CHBK que le secrétaire général de la province du Mandoul a mis sur le tapis le problème de la gestion de cet hôpital. L'occasion pour chaque participant d'expliquer ce qui entrave le bon fonctionnement de cet hôpital. Après avoir entendu les uns et les autres, le secrétaire général de la province du Mandoul a constaté un dysfonctionnement dans la gestion du centre hospitalier Baptiste dû au conflit de leadership. La décision de la justice est exécutoire et la justice est nationale. C'est un pouvoir législatif. Nous représentons le chef de l'État dans cette province. On ne peut pas piétiner, négliger, frustrer la décision de la justice. La justice est souveraine, elle est indépendante. Et sa décision doit être exécutoire. Atebam prend sa responsabilité en tant que père. Cette crise a tant duré et que chaque partie impliquée doit revoir sa position et agir selon l'intérêt de toute la communauté du Mandoul. Pour Oumaro Sanda Makaj 3, un délai d'un mois est accordé au comité de gestion du CHBK afin de tout mettre en œuvre et remettre la gestion de l'hôpital acquis de droit. Le bureau blanc Khadie Aïga Déby Itno du mouvement patriotique du salut a fait hier soir un don de kit de lavage de main et cache-nez à la commune du premier arrondissement. C'est dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Reportage d'Amgué Lidné Joël. S'inscrivant dans la logique de soutien des actions gouvernementales, le bureau blanc Khadie Aïga Déby Itno du mouvement patriotique du salut exprime sa solidarité dans la lutte contre la COVID-19 avec la population de la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djamena. Et c'est à travers ces dons de 50 dispositifs de lavage des mains, des cartons de boules de savon et des cache-nez qui sont destinés aux lieux de culte, notamment les églises et les mosquées de cette circonscription administrative relevant de la décentralisation. Le bureau blanc, en tant que bureau de soutien dynamique, poursuit un travail engagé visant à sensibiliser les militantes et les militants, ainsi que toute la population, de changer leur comportement tout en respectant les mesures barrières. Marqué par ces témoignages de générosité du bureau blanc du MPS Khadie Aïga Déby Itno à l'endroit des habitants de la commune du premier arrondissement, le maire de la dite circonscription, Djibrine Mahamat Abdelkerim, exprime sa satisfaction et ses remerciements. Il invite par la même occasion ses administrés au respect strict des mesures barrières pour empêcher le coronavirus de faire sa résurgence.
En Djaménon, ces derniers temps, c'est presque impossible de se retrouver dans un coin de la ville sans voir les jeunes filles, les jeunes garçons passer avec des petits commerces. Pourquoi cette affluence dans les petits commerces? Quel est l'intérêt pour ces jeunes? Ces interrogations qui ont poussé une équipe de la Télé Tchad à aller sur le terrain. Le récit de Rose Wakhtar. Nombreux sont des jeunes, à prédominance élèves, étudiants et autres désœuvrés qui s'adonnent de plus en plus au petit commerce. Ambulants ou installés, ces jeunes parviennent à subvenir à leurs besoins grâce à ces activités, à l'exemple de Nathaniel, diplômé sans emploi, qui a opté pour la vente des livres. Je suis un étudiant, je ne peux pas croiser les bras, j'achète les livres, je vends, je lis, etc. Je vends et en même temps je lis. Donc c'est ça qui m'a motivé de vendre les livres. Ronéliam Grasse, bachelière quant à elle, vend des denrées alimentaires afin de pouvoir préparer ses études supérieures de manière indépendante. Mes parents n'ont pas les moyens de m'inscrire au cours supérieur. Je me suis lancée dans ce commerce pour pouvoir me faire un peu d'argent. Pour bon nombre de ces jeunes débrouillards, ces activités lucratives participent à leur autonomisation. Je suis une fille mère. J'exerce ce commerce. C'est parce que je n'ai pas de soutien. Et mon mari m'a abandonnée avec mon enfant. Donc, je vends les maniocs pour subvenir à mes besoins. Certains de ces jeunes exercent les petits commerces de manière temporaire, alors que d'autres comptent devenir des grands commerçants un jour. Et c'est avec Rose Wakhtar que nous bouclons sur Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Télé Tchad. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve demain.